J'adore l'enthousiasme du doc, mais ça a le don de lui créer des problèmes. Ok, on va aller voir le doc. On va voir les docs. Wouah, c'est mortel. Franchement, c'est mortel. Regardez-moi ça, les gars. Ah non, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Voilà. Ouais, mon costume, il est défoncé. Ah ouais, je viens de me battre contre Fisk. Fisk. Et pas Fist, hein. Ça n'a rien à voir. Okay. Ah, il y a des petits panneaux sympas là-bas. Wouhou! Putain, il est loin le doc. Bon, c'est le docteur Octopus, hein. Et je me fais aucun souci là-dessus que c'est le docteur Octopus. Je m'en doute. Ah, il y a des tags et tout là. C'est où là? Ah, c'est pas là encore. Allez, allez. On va essayer de passer par là. Ah, franchement, on s'éclate. Franchement, on s'éclate rien qu'à faire ça. C'est un pur plaisir, les gars. Ah, c'est là. C'est là. Allons-y. Docteur Octopus. Pardon, je suis en retard. Wow. Il est bien fait, Docteur Octopus. Vous avez déjà commencé. La direction du comité de subvention sera bientôt là. T'en fais pas, Peter. J'ai inventé cet équipement, je crois pouvoir m'en sortir. Et voilà. Le filtreur électrique. C'est pas vrai. On devrait peut-être arrêter. Pas encore. Ah ouais, c'est chaud chaud. Tenez bon. Docteur Octavius, est-ce que ça va? C'est pas encore ça. Ah, mais il a pas ses membranes encore là. Mais on progresse. Vous êtes blessé? Non, mais tout était de ma faute. Attendez, les niveaux d'énergie ont dépassé nos espérances. D'un certain point de vue, c'est un développement très positif. L'odeur n'augure pourtant rien de positif. Je vous assure, la phase suivante... Ne nous emballons pas si vite. Est-ce qu'on pourrait aller en discuter autre part? Tu peux prendre le reste de ta journée, Peter. Mais on en reparlera plus tard. Ça n'augure rien de bon pour ce cher bon vieux docteur Octavius. Pourquoi le filtreur a pas marché? Le doc m'a dit de prendre ma journée, mais je veux comprendre ce qui s'est passé. Donc on va aller voir le bras, mais c'est quoi ça? J'adore le café au travail. Vive les subventions. Ah, t'aimes le café? C'est pas bon le café. J'en bois pas hein, ce soir, je bois du Red Bull. C'est un truc qui est encore plus mauvais. Ah, il y a des trucs là. Ah, on peut inspecter ça. C'est quoi ça? C'est le grand jour. Audit du comité de subvention. Nous sommes prêts. Nos travaux ont avancé à un rythme inespéré. Je ne pensais pas qu'on parviendrait à ramener l'actionneur de traction à un seuil de tolérance acceptable, mais par cœur, ce garçon peut faire des miracles avec trois fois. Alors que j'étais prêt à commander une pièce détachée sur mesure, il est revenu du magasin de bricolage avec une bouteille de solvant et une brosse à dents. Et bingo ! Problème
Coty est un génie. Un génie toujours en retard. Déjà 10 minutes. Où est-ce qu'il est? Il n'a quand même pas oublié. Désolé de vous avoir lâché, Doc. J'avais des trucs à faire des super-héros, c'est pour ça. Ok, bon, on va aller voir le bras articulé. Hein. Il est grand le. T'es marrant, il est super grand là le. Le. Je sais pas comment on appelle. Vous avez vu au clair, Otto. 3, 4. C'est à ça qu'on mesure notre progrès. De grandes découvertes sont nées des sangs. Il est en train de se faire engueuler là. L'optimisme du docteur Octavius est inaltérable. Ah, attendez. Encore un truc ici. Ma remise de diplôme, ça me paraît tellement loin. J'étais en stage avec le doc. C'est lui qui m'a appris que je pouvais apporter autant au monde dans une blouse blanche qu'en collant. Voire plus. Ok. Je crois qu'on doit avoir des modèles de tous les types de prothèses possibles. Ça, c'est quoi, ça? Notre premier volontaire. Le première classe Texidor. Il avait perdu un bras à la guerre. Il aimerait tellement prendre sa fille dans ses bras. Bon, allez, on va aller observer le problème du bras, là. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? La prothèse a évolué. Je me rappelle quand notre prototype était fait de pièces que j'avais récupérées sur un micro-ondes. Oh. T'es pas en grande forme, toi. Ouais. Voyons d'où vient le problème. Octavius Industry. Résultat diagnostic. Appuie sur A pour commencer. Le circuit a grillé. C'est pas vrai. Si j'avais été là pour faire les contrôles, je l'aurais remarqué. Le contrôle électrique du bras endommagé. J'ai appuyé sur pour continuer. Établissez une connexion entre la pièce de départ verte et la pièce d'arrivée orange. Attendez, pivoter. Voilà, ok. On peut pas pivoter. Retirer. Voilà. 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 Voilà, c'est ça. Bon, là, c'est facile. Hein. Voilà, c'est bon. Encore. Voyons, on redirige les commandes du cerveau moteur. Attendez. Allez, ça. Bon. Ah bah voilà, oui c'est ça, on peut faire ça. Là, on met un comme ça. Là, on met un comme ça.
Là, on met un comme ça. Là, on met un. Merde, j'en ai plus. Comme ça. Là, on en met un. Comme ça. Là, on met le dernier. Et là, on met celui-là. Parfait. Ok. Ensuite. Et on redistribue la tension. Alors, attendez là. Tension incorrecte. Tension incorrecte. Attendez, peut-être que c'est ce qui est pas bon, c'est ça. Attendez. Moins 1. Ah ouais, donc c'est celui-là. 1. Tension incorrecte. Un truc qui va pas là. Pour moi, c'est le plus 2. Parce qu'après, on va avoir moins 1. Ah bah voilà, c'est bon. Fini. C'est bon. On a tout réparé, c'est parfait. Voyons si ça marche. Comme neuf. Voilà, on a tout réparé. Le doc a testé de nouveaux matériaux pour les prothèses. Il m'a demandé d'y jeter un coup d'œil quand j'aurai le temps. J'ai qu'à faire ça maintenant. Là, c'est le café, on l'a déjà vu. Substance inconnue trouvée. Le doc a testé un nouveau conducteur pour les prothèses. Ok, alors utilisez des fragments de la substance inconnue et faites correspondre les raies d'absorption avec les spectres. Utilisez L pour déplacer le curseur, appuyez sur A pour prendre un fragment. Ah, ok, bah lui c'est lui. Ok, bon c'est simple. Composite hydrogel polymère. Résistant, mais avec une forte impédance. Je devrais dire au doc d'explorer d'autres pistes. Quitter le labo. Bon, je ferais mieux d'y aller avant d'aggraver encore la situation du doc. Bon, allez, on se casse. On se casse. Putain, faut que tu changes de costume, Spider. Speedy, là, parce que là, ça va pas, là. Va chez toi, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Spider-Man, c'est Yuri. Alors, fils, qui est arrivé à Riker? Non, pas à Riker. Notre ami a eu droit à un traitement VIP. Il est dans le raft. Ah! Il rejoint Scorpion, Electro et toute la bande. Le gratin est là-bas. Fisk devrait être content. Vous pourriez passer au commissariat? J'ai un problème et j'ai besoin de vos talents tout particuliers. À vous, Yuri. Je refuse rien. J'arrive tout de suite. Bon. Faut qu'on aille au commissariat maintenant. Allons-y.
dirait que Jameson a sorti un nouvel épisode. Je me demande ce que mon plus grand fan pense de l'arrestation de Fisk. Bienvenue dans État de fait avec J. Jonah Jameson, l'émission où les auditeurs prennent la parole sur notre ville et son actualité. Notre lauréat d'un prix Pulitzer... Non, deux. De deux prix Pulitzer et ancien rédacteur en chef du Daily Bugle. Le bouquin. Et comme toujours, si vous commandez l'ouvrage de Monsieur Jameson, Spider-Man, Danger ou Menace, dans les 24 heures suivant la diffusion, vous recevez un exemplaire dédicacé sans frais supplémentaires. Mais pas d'autographe à votre nom. C'est pas la peine de réclamer. Bienvenue dans État de fait avec J. Jonah Jameson, qui vous alerte sur les menaces dont vous n'avez même pas conscience. Vous êtes à l'antenne. Parlez. Bon, alors malgré vos opinions, on peut dire que Spider-Man a fait du bon boulot en arrêtant Wilson Fisk. C'est vrai, une crapule en moins, tout le monde y gagne. Ben voyons. Dites-moi, vous êtes quoi? Policier? Procureur? Ou comme moi, un journaliste chevronné récompensé par deux Pulitzer? Ah non, je suis plombier. Oh, super! Alors réparez mes toilettes et fermez-la! Je vais vous expliquer un truc sur les allez, con. Dès qu'il y en a un qui tombe, tous les barjots avec un flingue, un survêt et une chaîne en or se prennent pour le nouveau parrain. Ça va être la guerre des gangs dans la rue. Et vous croyez que ça lui fait quelque chose à ce crétin masqué? Il s'en tape! Il est passé à la télé. C'est tout ce qui compte. Ouais, bah n'empêche que je peux me fournir en tuyau de cuivre sans verser de bakchiche. Alors en attendant votre guerre des gangs, moi je soutiens l'araignée. Et vous changerez de disque quand trois nouveaux gangs viendront vous faire payer trois fois vos tuyaux. Ou vous casser les jambes. Bonjour chez vous. Ah. Un jour, Jonah, j'arriverai à te faire dire quelque chose de bien sur moi. Tu verras. Allez. Qu'est-ce qu'elle me veut, la flicette? Maintenant que vous avez arrêté de fumer, vous dites quoi à vos collègues quand vous montez ici? Je leur dis que j'en ai ras-le-bol de voir leur tête. Ça se tient. Alors, qu'est-ce qui se passe? Besoin d'un cavalier pour le bal? Vous avez un spider smoking? De toute façon, il n'y aura pas de bal cette année. Tout le budget est passé dans le matériel de surveillance de Scorp. Mais ça valait le coup, non? Oui, c'est vrai. Jusqu'à ce matin. Le système nous a lâchés. Dans toute la ville. Toutes les tours. Comment ça? Apparemment, quelqu'un a saboté le serveur central et depuis, toutes les tours sont HS. Bon, ok, va falloir que je remette les tours en route. Un de vos hommes? Peut-être. On verra ça plus tard. La priorité, c'est de remettre les tours en marche. Et vite. Et donc, c'est moi que vous appelez? Oh, c'est adorable. J'ai appelé une personne de confiance. Et puis le signal est brouillé, on ne sait même pas comment y remédier. J'adore les défis! Si vous cassez, vous payez! Ok, va falloir que je remette en route les tours là. Pour débloquer la ville, je suis sûr. Jetons un coup d'œil à cette tour. Décryptée. Les fréquences d'entrée sont inversées, subtil. Associer les longueurs d'onde. Voilà. Ça c'est. Ah. Voilà. Juste de récupérer une tour. C'était vous? J'en ai sous le masque, hein? Quoi que vous ayez fait, vous pourriez le refaire avec les autres tours? À votre service. Ah, pour info, j'ai dû me synchroniser avec la tour pour la réparer. Je peux voir toutes les données criminelles du secteur. Et on dirait bien qu'il y a un cambriolage pas loin de moi. Parfait. J'ai des unités pas loin. Pas la peine, je m'en occupe. Alors appuyez sur R pour localiser les crimes. D'accord, donc là il y a un crime. Là il y a un crime. Vas-y. Couvre-moi. Ok, ils essaient de péter quelque chose dans la maison. Je doute que ces types aient oublié leurs clés. Allez, c'est parti. Voilà. Putain, c'était quoi déjà pour taper? Voilà, c'était ça. Ah, bien joué toi. Voilà. Ah.
Parfait. Ok, c'est plié. Merci. Maintenant, je vois une agression près de vous. Ah, vous avez de la chance. J'ai justement un vieil inspecteur Bougon au cœur d'or sous la main. Quoi? Non, 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 non. Vous m'avez promis que vous feriez... L'inspecteur Spider. Je vous en prie. Ok, il y a un crime là-bas. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez! Ça va être là. T'es marrant, qu'est-ce qu'ils font là? Coucou, oui, c'est moi, Speedy. Alors, c'est toi la balance. Dégage, raclure. Ouais. Y, allez, c'est parti. Les brutes bloquent vos attaques de mêlée. Utilisez vos toiles et vos projectiles pour les affaiblir. Voilà. Ah, bien joué toi. Putain d'enfoiré. Oh là 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 là. Putain, mais il m'enchaîne de ouf lui hein. S'occuper des petits. Oh là là. Voilà, putain, c'était costaud. Il est où l'autre? Ah ouais, d'accord, il me balançait des trucs. Ok, ok, ok. Ton lance-toile, ton lance-toile, ton lance-toile, ton lance-toile. Voilà, c'est bon. C'est bon. Dégage d'ici, où je la bute? Là, il va faire quoi là? Sauver l'otage avant la fin du temps imparti. Viser à la cible avec L et appuyer sur RB pour désarmer le malfrat. RB. Ok, c'est là. Ok. Donc c'est ça. Ok. C'est bon? Tout va bien, madame. Je savais que Jameson se trompait sur toi. T'es un peu bizarre, mais t'as un bon fond. Est-ce que vous avez un endroit où aller? Je peux me débrouiller toute seule. J'en doute pas, mais au cas où, il y a un endroit appelé le Centre Fist. Je sais, mais je veux pas la charité. Ils font les meilleures galettes de blé de la ville, et de loin. Ma mère m'en faisait. J'en ai pas mangé depuis... bien longtemps. Ok, j'irai peut-être. Merci. Spider-Mec. C'est Spider-Man, mais... Oh. Je devrais pouvoir repérer la prochaine tour de là-haut. On y va. Maintenez L vers le mur et puis L pour effectuer... Ah bah ça y est, j'ai la... J'avais pas la map, j'ai la map. Depuis son promontoire, l'inspecteur Spider observe sa destination, la deuxième tour de surveillance. Vous faites une voix de narrateur? Quoi? Bien sûr que non. Allez là-bas. Le chef ne comprenait pas l'inspecteur Spider. Elle n'appréciait pas ce méthode. Je sens que je vais le regretter. Allez, on y va, on y va, on y va. Voilà. Elle est là, la tour, elle est là. Et voilà, on y est.
Attends, maintenez LT pour viser, puis R pour repérer le signal. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il faut faire là. Ah voilà, décrypter. Je suis sûr que je pourrais modifier ces tours pour détecter plus que des craintes. Ok, donc déjà, ça va être ça, je pense. Voilà. Voilà, c'est bon. Tiens, c'est quoi ça là-bas? Bingo! Les tours captent maintenant toutes sortes de radios identifiants. Dont un juste là. Qu'est-ce que c'est? Ok, donc là il y a un truc. On va y aller. C'est où? Lui, en tout cas. C'est un sac? C'est lui là-haut. Wow. Lui, il a. Lui, un sac à dos de l'époque du lycée. J'avais oublié que j'y allais fixer une balise. Ah bah voilà. Elle retrouve des vieux trucs, le Spider-Man. Je me demande s'il y en a beaucoup dans la ville. Trouver des sacs à dos pour gagner des jetons de sacs à dos et à utiliser pour améliorer votre équipement. Appuyez sur A pour continuer. Sac à dos, 1 sur 16, progression du quartier. Ok. Menu du premier rencard, récompense, jetons du sac à dos. On a un vol. Menu du premier rencard. Ok. À quelques rues de là. L'inspecteur Spider s'en charge. Liam, mi-araignée, 100% flic. Ah. C'est où qu'il y a une agression là? Oh là là, vol de bijouterie, les gars. Vol de bijouterie. Ouvre le coffre! Allez! Hey, salut! Oh Spider-Man! Tue-le! Allez, allez, on s'est farci. C'est bon ou pas? Il est où l'autre? Ok. C'est bon là? Il en arrive d'autres? Les gars, si vous vous donniez autant de mal dans un vrai boulot, vous n'auriez pas besoin d'être criminel. C'est un fou lui! C'est bon? Voilà Marami, je tomberai de récompense. C'est bon Yuri, je vais réparer la dernière tour de Chinatown. Ah, il faut que j'aille là-haut. Ok. Vous voulez dire que l'inspecteur Spider va la réparer? J'ai bien réfléchi Yuri. Être policier, c'est un truc de jeune. Et l'inspecteur Spider, c'est plutôt un vieux de la vieille. Wouhou! Que ce soit bien ce que je pense. À partir d'aujourd'hui, l'inspecteur Spider prend sa retraite. Ah, Dieu merci, j'ai besoin d'un verre. Nous trinquerons tous ce soir à la mémoire de l'inspecteur Spider, l'infatigable. Yuri, vous êtes là? C'est bon, on y est. On a dû être submergé par l'émotion du moment. Allez, décryptage. Ça serait comme ça. Ah, c'est bon. Les tours dévoilent les objets à collecter et les défis et les missions annexes sur la carte. Niveau supérieur, ok. C'est quand que je peux aller chez moi là? Ah voilà, peut-être que j'y vais l'aide. On voit mes trois poils sur le torse. Les outils dont j'ai besoin pour ma tenue sont au labo. Je me demande si le docteur Octavius est rentré chez lui. Donc faut que j'aille au labo. C'est ça? Docteur, comment ça s'est passé avec le comité? Je suis désolé d'avoir tout raté. Ce n'est rien, Peter. Ils sont seulement les. Oh, c'est beau là. Triomphe imminent. Ils se détendront, comme toujours. Vous voulez que je passe au labo pour ranger? Non, non, je dois sortir dîner. Nous reprendrons demain. Une petite pause et retour à la création du futur. Ok. Il faudrait prélever l'optimisme de cet homme et le vendre en bouteille. Apparemment, il a quitté le labo. Je peux m'occuper de ma tenue tranquille.
On a traversé tout New York. Attendez, il y a un truc là. C'est quoi ça? C'est quoi le truc vert déjà? C'est quoi le truc vert? Ah, elle est nue! Ça serait là-haut? Apparemment, c'est là-haut. C'est là. Décrypté. Ah bah c'est une tour. Ah bah je la décrypte, hein, y a pas de souci. Hein. Là j'ai un sac à dos là. Ok, on voit les sacs à dos, on voit les tours. Ok. Attendez. Là, il y a un sac à dos, on y va. On va au sac à dos, les gars. C'est là. C'est là le sac à dos. Juste là. Ok. Un selfie. C'est marrant. Mon vertige a pas disparu quand j'ai acquis mes pouvoirs. Pour ça, j'ai dû attendre de monter au sommet de l'Empire State Building. Ok. Bon, on va aller voir l'histoire de la tenue là. On va aller voir l'histoire de la tenue. Allez, allez, allez. Intervention pour un accident de voiture. Civil en détresse. Rendez-vous dans Chelsea au plus vite. Non. Oh, c'est quoi le truc par terre là? C'est où? C'est juste en dessous? C'est là. J'ai pas un chez moi. Pour mes tenues, c'est plus simple en fait. Le doc est sorti pour la soirée. C'est le moment de passer à mes activités d'araignée. Les activités d'araignée de Monsieur Peter Parker. C'est quoi ça? Le doc a fait de grandes découvertes pendant toute sa carrière, mais il s'est toujours fait éclipser. Souvent par Oscorp. Cette fois, ce sera différent. Ok. Peter! Docteur Octavius, qu'est-ce que c'est que ça? Mon dîner. Si j'avais su que tu étais là, je... Sur quoi tu travailles? Sur un projet personnel. Alors c'est bon ça. On va voir qui va gagner. C'est toi. Oh putain. Oh, je t'en prie, Peter, c'est évident. Je vais vous expliquer. J'aurais aimé que tu me le dises plus tôt. Il va le savoir. Mais j'avais trop peur que ça se sache et que ma famille soit en danger. Oui. Je suppose que si tu crées tout son équipement, ses ennemis pourraient t'en vouloir. Ouais. Ah, il se doute pas que c'est lui. Oui. T'en fais pas. Ton secret est bien gardé. Eh bien. Je te laisse travailler. Ah, il est sympa, ce bon vieux Otto, quand même. Hein. Check your email, Otto. Regarde tes mails. Mais il est où, là? Ah, il est toujours dans le labo. Il n'y a pas un chez lui. C'est pas le doc qui me renvoie.
Peter, quand j'ai découvert que tu étais le costumier de Spider-Man, d'ailleurs, est-ce le bon terme ? Ça m'a rappelé ta valeur en tant qu'individu et en tant que partenaire. Tu as beau te tuer à la tâche, tu trouves toujours du temps pour aider les autres. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai remarqué que la tenue était un peu abîmée et j'ai pris la liberté de crayonner quelques arrangements. Tu trouveras ci-joint des idées que j'ai eues pour améliorer son costume et mieux le protéger. Il a fait tellement de choses pour notre vie. On forme un tandem extraordinaire et notre travail va changer. Ton ami et partenaire. Otto. Une araignée blanche, hein? Non, j'aime pas. J'aime pas l'idée. Vous pouvez maintenant utiliser vos jetons pour créer la tenue améliorée. Araignée blanche, ouais. Terminer des missions annexes et des activités pour gagner des jetons. Maintenez A pour fabriquer la tenue améliorée. J'ai pas le choix, putain. Il m'oblige. Oh non. Nouvelle tenue et nouveau pouvoir de tenue débloqué. Appuyez sur A pour continuer. Créer une nouvelle tenue équipe. Autorise-moi la nouvelle. Pouvoir de tenue. Utilisez le menu pouvoir de tenue pour revenir à des pouvoirs débloqués précédemment. La tenue peut être améliorée avec des modes de tenue. Débloquer et équiper les modes de tenue ici. Terminer les missions et les activités pour débloquer des tenues, des pouvoirs de tenue, des modes de tenue. Utilisez des jetons pour créer des modes de tenue. Les modes de tenue augmentent votre attaque et votre défense. Vous pouvez équiper 3 modes de tenue à la fois pour en accumuler les effets. Merde, ils m'ont filé le costume blanc, je le déteste. Va falloir que je change ça, les gars. Chier. Alors, je savais que c'était une mauvaise idée, putain. Voilà, ouais, on va le voir. Ah ouais, voilà. Voilà, en blanc, là. Tout moche. 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 Pardon, je suis en retard. Moche. Moche. Ah, oh, c'est moche, putain. Bonjour, New York. C'est le même, mais en mieux. Interté pour vous balancer. Putain, qu'est-ce que c'est laid. La ville qui ne dort jamais. DLC débloqué. Rendez-vous dans l'onglet DLC du menu. Pour accéder aux campagnes, la ville qui ne dort jamais. Ouais, mais on va pas le faire maintenant, les DLC. Hein. Enquêter sur le chantier. Attendez. Attendez, parce que là... Il y a une tour qui a l'air d'être pas loin. Spider-Man, je crois savoir comment les hommes de Fisk arrivent à maintenir ses activités. Via ses chantiers. Ça a pas fermé quand on l'a arrêté ? Non, c'était l'une de ses activités officielles. Avec différents investisseurs. Et impossible d'agir sans preuve. Mais on a ce qu'il faut maintenant, non ? J'espérais que vous pourriez surveiller ces différents sites et me dire si vous remarquez quelque chose d'inhabituel. Entendu. Je serai votre araignée fouineuse du quartier. Ok. Là, il y en a un juste là en plus. Il y a un sac à dos qui est juste là. On va y aller direct. Il est là. C'est quoi? Toile de bras. Toile axillaire. Je pensais pouvoir planer sur des courtes distances, mais c'était pas très convaincant. Les effets stylés, en tout cas. Et il y a un crime en bas, on va y aller. Attendez, c'est où? Vous me demandez pourquoi? Parce qu'un homme plein de bon sens a réalisé que c'était une atteinte aux libertés civiques? Non! Parce que ces incompétents de bureaucrates ont bâti un réseau qui plante plus qu'un jardinier hyperactif. Plus instable qu'un... Ah ouais. Toi, tu vas faire dodo dehors! Voilà! Tu fais quoi avec toi, avec ton flingue? Dodo au sol. Ah, mais il s'accroche. Au moins, Fisk tenait tous ses dealers en laisse. Bon, mais attendez, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que... Il me manque? Oh, non.
Y'a rien dans les parages? Il vaut peut-être mieux que je sois ailleurs quand la police arrivera. Bon, allez. On va aller là-bas, c'est à 300 mètres. Et comment on fait pour changer de... C'est me souffle, c'est pour changer de tenue, il faut que j'aille chez Octavius, je pense. Allez, allez. C'est où? C'est là-haut. Yori, je suis sur l'un des chantiers de Fisk. Il y a pas mal de monde ici. Il n'y a aucun ouvrier du bâtiment, a priori. D'accord, et qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent. Je vais essayer de voir ça. Un SMS du doc. On dirait qu'il a mis un concept de Spider Gadget en pièce jointe. Il n'arrête jamais. Appuyez sur pour ouvrir la page de Gadget. Grâce au plan Odoto, vous pouvez désormais fabriquer la toile de choc. Appuyez sur pour continuer. Maintenez A pour fabriquer la toile de choc. C'est même que toi. Toile de choc débloquée, ok. Débloquez de nouveaux gadgets avec des jetons ou des pièces trouvées dans l'émission. Vous pouvez utiliser des jetons pour améliorer chaque gadget. Gagner des jetons en terminant l'émission, ok, j'ai compris. Wow. Ça pourrait bien marcher. Et ça fait quoi ça, cette merde? Maintenez RB pour ouvrir le menu de sélection des objets. RB. RB, c'est là. Ok, utiliser pour choisir la toile de choc. Utiliser pour choisir la toile de choc. Toile de choc. Ok. Appuyez sur RB pour lancer la toile de choc. Parfait. Le doc serait fier. Éliminer les patrouilles ennemies pour attirer les renforts. Ah ouais, c'est puissant quand même. L'ennemi dit qu'il existe plusieurs Spider-Man. On parle pas de valeur. Oh non, il a encore une armée de Spider-Man. Tiens, lui là. Putain, ça marche pas. Attendez. Ok, bon, on va faire ça. Il est là, j'ai été repéré. C'est parti. Voilà, on va se les farcir, tranquille. Il y a un peu de monde, mais ça va le faire. Attendez. Oh, bien joué, tu m'as tapé, toi. Toi, tu m'as tapé, t'es pas gentil. C'est quoi ça? Ok. Il a l'air d'être plus fort, je pense. Ok. Putain, ah ouais, ça m'a un peu sonné. Oh non, en voilà d'autres. Putain, j'y vais à la mode bourrin là. Spider-Man, on a finalement arrêté 4 trafiquants d'armes dans un rayon de 3 pâtés de maison autour du chantier. Du trafic d'armes? Je vais voir ce que je peux faire pour bloquer l'approvisionnement. Là, je suis en plein combat là. Qu'est-ce que vous me fait chier, Yuri, en fait? Putain, toi, je vais te farcir. Toi, tu recherches pas ton arme, toi. C'est bon, pas là. C'est bon, pas. Votre pouvoir de tenue dispose d'un pouvoir de tenue. Le pouvoir de tenue vous confère des tenues spéciales. Votre pouvoir de tenue, votre actuel, génère de la concentration en continu. Une fois celle-ci utilisée, votre pouvoir de tenue se régénère. Ok. Se sont-ils appelés leurs copains?
Oh merde. Merde. Voilà mon ami. Comment on peut lutter contre ça? Putain. Il y en a d'autres. Bienvenue à la fête. Eh, hey, c'est chaud quand même. Sauf si vous n'avez pas de fête. C'est quand même chaud. Hein. C'est quoi votre problème? Il a eu des billes. Putain, ils sont combien là? Pas mort lui. Si. L'autre il est béton. Regardez-moi ça. Oh. Vite. Oh, ça m'a touché. Qui a envie de se rendre? Personne. Boum. Comment il a fait ça? Parce que je suis Spider-Man, tu peux rien me faire en fait. Tu peux rien me faire. Eh, c'est. Ça dure. C'est à l'infini ici ou quoi? Oh, y'en a il a. Ok, y'en a il a un lance machin là. Ok. Voilà. On est bon ou pas là? J'en ai vu un autre là-bas là. Il est là-bas. Je sais pas ce qu'il fout le mec là-bas. Il tourne en rond. Regardez-le les gars. Regardez-le. Il est complètement bugué. Il est complètement bugué. Bon, on va faire la pause après ça. L'endroit est condamné, capitaine. Couvert de toile, pour être précis. Et quelqu'un a enfin signalé des coups de feu. J'ai donc pu envoyer des agents. Beau travail. Voilà. Fisk a d'autres chantiers en ville. Je parie que ce sont aussi des façades. Ouvrez l'œil et faites-moi signe si vous voyez quoi que ce soit de suspect. Ok. T'es mal les gars comme ils se balancent. Si je veux trouver tous les chantiers de Fisk, il n'y a qu'une chose à faire. Je dois augmenter la précision de mon logiciel de navigation. Je devrais y arriver en appliquant un traitement 3D à des photos de bâtiments et de monuments. Et je sais par lequel commencer. Attendez. J'ai pas mon chez moi encore là. J'ai pas mon rôle chez moi. On va faire la sauvegarde. Voilà, sauvegarde manuelle. Ok. Et puis on va quitter pour l'instant.